truc. Si notre partenaire monte le genou. Donc ça, par contre, je ne l'ai pas vu en outa, je l'ai vu. Je l'ai vu. Avec Wilson Rice. Il y avait une vidéo de Wilson Rice où il faisait ça. Donc, Wilson Rice, c'est celui qui fait un passage de garde. Là, Wilson Page, je vous l'avais déjà montré au NBF à l'époque. Je leur montrerai. C'est ce qu'on appelle le passage de garde de Sao Paulo. Alors, tac. Là, voilà. Le partenaire, il se lève. Et on va faire comme en lutte. On va venir saisir. Donc, toujours le même principe. Je lève et je prends en même temps sa jambe. Ok, ce qui est cool pour nous, parce que si on veut. Ça va, j'ai pas tracé. Non, du tout. C'est juste toujours la petite. Non, mais ça, c'est. Oh non, nickel. Ouais. Sur crac! Ah merde! J'ai pas forcé? Ah si, bon, moi, merde. Ok. Ok, donc, il lève, tu veux peut-être le faire de ce côté? Ouais. Il lève. Alors, voilà, si moi je suis là et que lui il lève cette jambe là, je switch. Au moment où je shoot, au switch, je reviens direct. Hein. Et là, moi, je trouve que c'est plus simple d'aller prendre l'intérieur à ce moment-là. Tac. Ce qui nous permet de revenir soit sur là ou sur une mini-barre direct. D'accord ? Moi, en combat, je pense que ça va trop glisser pour te le faire direct. Ouais. Il faudra mieux contrôler. Autre chose, si mon partenaire met une grosse pression, donc je suis en train de bastonner, mon partenaire met une grosse pression, il ne faut surtout pas que je mette mon dos au sol. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ma base loin, mettre de la pression. Là, je vais tenter de rentrer un under où je ne peux pas. Je vais décaler, hop, ce qui me permet de revenir. Le seul truc ici qu'il faut que je cherche à ce moment-là, c'est passer dessous. Passer au moins un under hook ou passer ma tête dessous. Ma tête, vu que je suis grand, moi, je ne peux pas. Toi, je pense que tu pourrais y arriver vu que tu es plus petit. D'accord ? Donc là, boum. Là, et là, ici, je m'en fous. Je rentre sur une face qui est plus futée. D'accord ? Si je rentre, tac, que mon partenaire commence à se revenir et que. Alors, ouais, non, sur un passage de debout, ton partenaire se lève, lève-toi. Voilà, et je veux faire le truc. Vas-y, try. Voilà, il est arrivé et que je veux aller prendre son genou. Moi, souvent, ce que je faisais, c'était rentrer là. Et voilà, ce qui va se passer, c'est qu'il va plier son genou pour aller travailler le dos. Donc, ce qu'on fait, c'est que sur le même principe, on est là et commence à se lever. Tac, tac, je me décale et c'est ma tête. Tac, qui vient fixer sur son tibia. Tête, pas épaule. La tête, tente de bouger. Non. D'accord? Là, après, je peux pousser. Ce qui me permet de l'avoir. Ok? Allez, pousse, on fait ça. Là, on a